Alors, il est difficile évidemment de choisir un seul livre, mais je vais quand même le faire, c'est l'exercice, même si j'ai un peu réfléchi avant quand même. Mais le livre qui a changé ma vie, c'est sans aucun doute Léo d'Urlevent d'Emily Brontë. J'ai lu ce livre jeune, assez jeune, je pense que je vais avoir 12 ans, 12-13 ans, pas plus. Et quand on lit cette histoire d'amour absolu, d'un romantisme échevelé à cet âge-là, on est évidemment, je crois, à jamais transformé par, par cette lecture. C'est un livre qui m'a bouleversé jusqu'au tréfonds et je pense que les personnages m'accompagnent encore aujourd'hui, tous les jours presque. Enfin, ils sont là, ils sont en moi, ils vivent en moi et ils ont vraiment façonné une certaine idée de l'amour qui n'est pas forcément, facile. C'est une idée de l'amour tellement absolue, tellement idéaliste, tellement sombre aussi finalement. Mais voilà, c'est pour moi c'est un peu le summum du romanesque. Voilà. Par ailleurs aussi, je tiens à ce livre particulièrement parce que ma fille aînée, qui a aujourd'hui 20 ans, l'a lu au même âge que moi je l'ai lu. Et chez elle, ça a provoqué aussi cette espèce de cataclysme. Je crois que ça l'a profondément marqué. Et voir son propre enfant ému et ébranlé comme on l'a été soi-même par la même œuvre. C'est évidemment une expérience, c'est une expérience merveilleuse. Donc voilà pour ce qui est de ce livre qui a changé ma vie.